culture. Bonjour Linda. Bonjour, il pleut, ça fait du bien, donc cette ambiance un peu dans une dynamique très très positive. Il neige aussi, voilà, et sur la capitale, voilà, il pleut et on est bien, et puis bon, pourquoi pas des plans de sortie. Par exemple, le cinéma, vous avez été nombreux à me demander les rendez-vous cinéma, et notamment les films algériens qui tournent en ce moment. Et bien écoutez, moi là je vous propose ce matin, par exemple aujourd'hui, en ce lundi 9 décembre, vous avez à 16h France Fanon, Docteur France Fanon, au niveau de la salle Ibn Khaldoun, et puis vous avez donc également 196 mètres de notre ami Taleb, donc vous avez donc le rendez-vous, c'est ce jeudi 12 décembre à 13h. Et également le mercredi, donc ce mercredi, à partir de 16h également. Donc le rendez-vous concernant notamment ce film qui tourne à travers donc tout le territoire national et notamment dans la capitale. Vraiment, je vous invite à aller voir ces deux films qui sont actuellement à l'affiche. Et c'est important parce que le public aussi réclame des films algériens. Il y a une grosse production cinématographique algérienne. Et là, on revient en force par rapport au monde du cinéma et des... Et du monde, la production cinématographique. Donc voilà, déjà pour cet après-midi, vous avez rendez-vous avec France Fanon, le film Docteur France Fanon. Et puis les chansons et la musique Chabi, à ne pas rater également. Vous avez par exemple pour le 12 décembre, vous avez de la musique Chabi, de la chanson Chabi avec Chenine Karim. Chenine Karim qui sera au niveau de l'esplanade du Café Malakoff, au niveau de la capitale. C'est magnifique ça. Voilà. C'est aussi, vous avez aussi des choses très sympathiques au niveau de la capitale. Par exemple, c'est... ces musiques de rue, ces jeunes talents qui sortent du conservatoire d'Alger, qui vous donnent aussi des rendez-vous aujourd'hui. Voilà, par exemple, vous avez Rebia Mohamed qui sera donc vraiment au niveau de la Grande Poste et qui jouera du violon. Donc voilà, il jouera du violon. Ce sont de nouvelles initiatives, c'est à partir de 16h. Il jouera du violon pour le public, pour les passants, pour nous tous et pour le bonheur de tous ceux qui passeront. Pour qu'on puisse ambiancer. Et qui seront voilà, dans cette superbe ambiance. Et puis vous avez Dendena Benda, qui est aussi une troupe sympathique et qui elle aussi vous donne rendez-vous le lundi donc 16 décembre à 15h. Elle sera, elle aussi, donc au niveau de la placette, donc au niveau du centre-ville d'Alger. Et elle sera, donc cette troupe-là sera vraiment, ils sont quatre à jouer, ils sont cinq à jouer. Et c'est aussi de superbes rendez-vous musicaux.